Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va. Là nous sommes dans une vidéo Big Vlog. Vous allez certainement demander où est-ce que j'en suis avec le postpartum. Il y a toujours le trait qui est là. Plus le temps passe, plus le ventre s'éclaircit parce que le ventre a pris le temps à s'étirer, ça devient petit. Et c'est normal, ne mettez rien sur votre ventre, surtout. Sinon, vous allez regretter après. Donc, laissez les choses faire naturellement. Je suis en train de sortir avec maman. Le bout de cheveux est en train de déranger là. Le tout petit dehors, donc je vais le prendre avec moi et on y va. Et entre temps, je vous prie de liker la vidéo, de commenter, surtout de partager et c'est parti. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas. Ça va aller. Ouais, maman et moi, nous sommes en train de sortir. Ça, c'est une semaine où on va passer ensemble. Mais une semaine qui va être un peu triste. Vous allez savoir pourquoi d'un moment à l'autre. Les gars, on y va, c'est parti. Ça, c'est une sortie entre à trois, c'est-à-dire moi, maman et le nouveau-né. Donc, ce que nous sommes en train de faire maintenant, je suis en train de m'y rendre quelque part avec maman. Il y a une jolie robe de soirée que j'ai payée à maman. Quand je dis jolie robe de soirée, c'est vraiment joli, je vous assure. Et cette robe-là, c'est un peu long, ça traîne un peu, donc on va modifier ça. En fait, j'ai deux, trois où ça a fait avec maman. J'ai également quelque chose de très très sexy que je vais faire avec maman. Je vais vous laisser découvrir d'ailleurs. Donc ce que je vais faire pour ne pas être distrait parce que je conduis maman, il ne faudrait pas que quand c'est moi qui conduise, que je conduise mal et que maman disait que son beau-fils conduit mieux que moi. Dans cet effet, je vais carrément me concentrer. Tu connais déjà la réponse. Vous comprenez ce que maman dit à la caméra, non? C'est pas gentil. Ce que maman dit n'est pas gentil. Non les gars, je me concentre sur la route, je vous montre un peu la route et on se retrouve ensuite. Je vous ai dit tantôt, quand je roule avec maman, il faudrait que je sois beaucoup attentif parce que avec maman, il faudrait pas que maman dise que son beau-fils conduit mieux. Hein, il faut que je prouve aussi à maman que je suis beaucoup attentive au volant exactement. Donc je me suis concentrée, j'ai bien conduit au mieux que je pouvais. Voilà, nous sommes en train de marcher pour arriver là où on est en train de partir parce que on continue à pied. L'entrée c'est, je crois c'est devant. Donc je vous disais tantôt la robe de maman, pendant que je vais donner ça à Octavio, je vais vous faire voir. C'est vraiment une très très belle robe de soirée pour maman et ça traîne un peu, on va juste la modifier un peu légèrement. On est arrivé, maman, voilà l'entrée. Roche-Boulduk. Tu connais quand même les deux. Roche-Boulduk. Asha Kadash. Yere Kadash. Ayakkabı gözüksün mü ayakkabı? Tu veux qu'on voit ta chaussure ou on ne va pas? Tam ayakkabısı gözüksün. Ayakkabısı gözüksün. Bir buçuk. En hızlı ne zaman olabilir? En hızlı ne zaman olabilir? En hızlı salı günü olur. Tamam olur. Heh. Olur. Notez la robe de maman, notez la robe de maman, voilà, 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 voilà. J'aime beaucoup le motif du haut là. Şuradan a, madde bak. Şuradan madde ölçeceğim. Nous sortons de chez le, on dit chez le thé là, c'est comme ça qu'on dit le coiffeur. Chez le, le chou. Maman, tu t'en veux couturer. Quand maman comprend du coiffeur, c'est trop drôle, je vous suis. Donc on se dirige vers la voiture, il fait un soleil, mon Dieu, ça brûle. Je suis obligée de couvrir le nouveau-né parce que le courant d'air, c'est pas bon pour lui. Donc les gars, nous sommes encore en train de reprendre la route. Je vais amener maman quelque part, lui faire une certaine, c'est-à-dire, on appelle ça quoi? Oui, pas juste pédicure, manucure, je vais lui faire les ongles aussi. Mais c'est un design que maman aime beaucoup. Donc je vous laisserai découvrir, on verra si vous allez aussi beaucoup aimer ça. Mais c'est un design juste waouh. Donc j'arrête de bavarder parce qu'il y a l'avion là-haut. Je ne sais pas si vous le voyez, ça fait trop de bruit. Oh.
Regarde, quand on laisse la voiture et qu'il fait soleil, oh mon Dieu, quand on entre à l'intérieur, l'intérieur chauffe. Il faut juste remettre la clim pour pouvoir rafraîchir l'intérieur. Je ne sais pas chez vous là-bas, mais j'imagine ceux qui vivent là où il fait chaud. Ça doit être la catastrophe, n'est-ce pas? Maman est juste là à me regarder. Elle dit que il se fait tard. Donc, Suzanne arrête de bavarder comme elle aime bien bavarder. Quand je vous parle, c'est-à-dire, je ne me souffle pas. Je parle, surtout que j'ai accouché là. Non, maintenant j'ai l'énergie pour bavarder. Donc, je vous montre un peu la route, les gars, et on se retrouve ensuite. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Coucou la famille, nous avons déjà commencé à faire les ongles de maman. Normalement, dès que je vais terminer, vous allez le reconnaître. C'est un modèle que j'ai déjà eu à faire. Maman avait beaucoup aimé. Donc, je ne vais pas trop m'azader avec les détails inutiles. Je laisse maman faire les ongles et je vous montre à quoi ça va ressembler. Et je serai impatiente de voir vos notes dans les commentaires et de venir laisser les cœurs. Donc, on se dit à tout de suite. Vous savez que maman n'aime pas les maux de tête. Donc, elle a préféré faire ça court, très très court. C'est vrai que le mien, c'est juste l'ongle naturel avec du vernis gel. Cette façon de faire les ongles, regardez comment c'est beau, c'est propre, regardez, c'est magnifique et ça fait vraiment naturel, regardez. Dites-moi comment vous faites les ongles chez vous, est-ce que vous faites toujours de la même façon? Je crois que vous aurez un peu compris, vous savez, je ne suis pas trop professionnelle dans ce domaine-là et je m'y intéresse pas trop, donc je maîtrise pas comment les termes ni ce qu'ils utilisent, comment ça se fait, mais vous aurez certainement vu, pour ceux qui ont de la connaissance à propos de ça, qu'est-ce qu'ils mettent ensuite, si vous connaissez ce style de machin. J'ai dit ce style de machin. Suzanne, c'est comme ça quand je ne maîtrise pas trop les mots. Je n'aime pas faire semblant de connaître alors que je ne m'y connais pas. Très beau. Donc voilà ce que ça donne avec le blanc. Pour la famille, voilà. Donc dites-moi ce que vous préférez le plus. Pour la famille, il est temps de faire les pieds pour maman. Donc elle est en train de manicurer, ensuite de pédicurer ou manicurer, je ne sais pas quel mot employer. Après avoir très bien nettoyé, on va enlever l'ancien vernis et faire du pédicure manicure. On va juste mettre du vernis gel. Donc je vous montre un peu comment elle est en train de faire. Donc une fois terminé, ce qu'on fera, je vous montrerai le rendu final.
Bonjour la famille, voilà. Ce matin, je suis venue faire du sport. Vous savez que maman va partir. C'est vraiment une semaine où vraiment, vraiment, j'ai un peu le cœur. Vous savez, quand on a la chance d'avoir maman à nos côtés et quand maman va partir avec les enfants, c'est pas évident. Donc du coup, je profite, je laisse le nouveau-né ce matin. Ça fait exactement 2 semaines comme j'ai accouché, au moment où je vous fais cette vidéo. Je profite, je laisse le nouveau-né comme d'habitude, comme je laisse toujours les enfants à maman pour faire ce que j'ai à faire. Je profite encore ce matin pour laisser le nouveau-né à maman pour venir faire le sport. Je vais un peu essayer de courir un peu ce matin parce que je sens un peu la forme beaucoup plus que les autres fois. Je suis avec mon coach, mon meilleur coach. Normalement, quand on arrive, on doit d'abord faire la marche avant de commencer à essayer de courir un peu. Normalement, voilà pourquoi est-ce que je fais toujours des efforts quand je viens d'accoucher, de passer aux exercices physiques. Premièrement, quand je me sens mal, en fait, quand je me sens, je n'ai pas la totale forme. La seule et unique chose qui me redonne de l'énergie, c'est le sport. Même pour ceux qui n'arrivent pas à dormir par moment. Quand vous faites du sport à fond, vous fatiguez. Quand vous rentrez, vous reposez, le repos est profond. Le corps sécrète de l'adrénaline pour récupérer. Et à ce moment-là, ça vous redonne beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Maintenant, la raison principale pour laquelle je fais toujours des efforts à faire du sport, malgré que je n'ai pas récupéré encore à 100%. C'est parce que quand on vient d'accoucher, le corps est souple. Le corps est mou. Vous savez que le processus de l'expulsion du bébé, même pour celles qui accouchent par césarienne, le corps se prépare toujours à l'accouchement. Cet effet, le corps va devenir beaucoup mou partout. Maintenant, quand on fait du sport aussitôt après, pendant que le corps maintenant retrouve sa tonicité et son élasticité. Si vous êtes en train de faire de l'exercice physique, ça va beaucoup vous rajeunir. C'est-à-dire, vous allez accoucher. Au lieu que l'accouchement vous fait vieillir, ça vous fait plutôt rajeunir. C'est quelque chose de magique, n'est-ce pas? C'est ça qui fait que vous voyez certaines femmes qui accouchent. Elles ont toujours le corps lisse. Elles ont toujours les belles cuisses, les belles fesses, sans cellulite, sans les plis là, machin, que nous, les femmes, on connaît tout cela. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle ça me motive. Donc en fait, n'allez pas au-delà de ce que vous pouvez faire. Parce que surtout quand on vient d'accoucher, les organes ne sont pas encore en place. Parce que le périnée n'est pas encore bien solide. Donc à cet effet, on ne doit pas aller en extra en fait. On fait juste du mieux qu'on peut. Donc voilà, j'arrête de bavarder. Je vais arrêter de bavarder. Je me mets à fond. Vous savez que quand maman est là, on doit manger, Elle dit que mange, c'est pour toi. Du coup, il faut que je brûle un peu les calories que maman m'a fait accumuler. Ok, les gars, donc c'est parti. Coucou la famille, voilà. La nouvelle maman qui a bien transpiré, je vous assure, c'est la magie. Ça fait combien, 9 mois depuis le jour où j'ai su que je suis enceinte. Je n'ai plus jamais fait la course, j'ai juste la marche. Et j'ai accouché, ça fait 2 semaines, donc ça fait plus de 9 mois que je n'ai plus jamais couru. Donc j'ai couru à peu près 40 minutes. Je voulais absolument encore courir un peu plus, mais je n'avais plus de force en fait. Donc je me suis dit, en tout cas, ça c'est le premier jour depuis presque 9 mois que je n'ai pas fait de sport. Mieux vaut juste faire du mieux que je peux. Surtout pas forcer, n'est-ce pas? Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais encore travailler un peu la corde. Je vais encore marcher quand même. Encore même 10 minutes. J'aurais vraiment aimé courir encore, mais malheureusement, comme c'est le premier jour, je ne veux pas me surpasser en fait. Je veux aller mollo, le temps de récupérer totalement avant de me mettre à fond. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous faites le sport uniquement par passion ou si vous faites le sport juste pour avoir la forme. Mais moi, quand je fais le sport, c'est quand je transpire comme ça, c'est comme si je vis en fait. Parce que quand je ne fais pas le sport, c'est comme si je procrastine. Donc c'est comme si, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est la magie quoi. J'ai couru presque 40 minutes. Quand je vois comment je transpire, ma peau chauffe, je suis super, super, super excitée. Je vous assure, c'est la magie. Et c'est parti. Toute la famille est réunie dans l'ascenseur. Nous sommes en train de descendre là maintenant. Coucou, maman fait coucou à la caméra. Il y a quelque chose dans l'ascenseur. Oh, Seigneur, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Tout comme